Salut tout le monde, c'est Emmanuel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo, voilà, assez spéciale parce que j'en ai jamais fait sur ma chaîne. Et d'ailleurs, vous pouvez me dire dans les commentaires si vous voulez que je continue à faire des fois un peu des trucs d'actualité. Aujourd'hui, ça va être pour parler du coup du cas Neymar. Donc voilà, on vient d'apprendre, du coup, là, c'est marqué sur le journal Le Figaro, Neymar au PSG, c'est comme si c'était fait. Mais je viens de regarder aux infos que c'était vraiment genre sûr à 100% quoi. Donc voilà, aujourd'hui on va parler un peu juste voilà du cas Neymar. Est-ce que pour moi, mes avis hein, bien sûr, hein, est-ce que pour moi c'est bien et tout. Alors oui, donc faut savoir pourquoi Neymar est parti du Barça après de longues journées où on se disait un jour, il y en avait un qui avait un truc qui disait ouais c'est bon c'est sûr à 95% qu'il y va. Après on disait non finalement il va pas y aller. Piqué a demandé ce qui reste, voilà franchement. Et donc c'est bon cette fois-ci Neymar donc va au PSG. Donc franchement moi Neymar c'est mon joueur préféré, du coup je suis vraiment super content. Après franchement je sais que c'est... Voilà franchement je voulais parler de ça, c'est vraiment... Très cher quoi, vous pouvez voir du coup, va se régler, attendez je vais essayer de vous, voilà là qu'est-ce qui va apparaître en bleu, mince. Mince, bon attendez, voilà, tac, voilà donc, le montant, donc le transfert va se régler pour un montant de record de 222 millions d'euros, plus de deux fois supérieur à celui de Pogba à Manchester United l'été dernier de 105 millions. Donc voilà, c'est vraiment très cher et l'argent qu'ils vont donner là, ils pourraient la donner à d'autres gens, quoi. C'est vraiment super cher. Après, pour moi, les 222 millions, c'est cher, mais ça vaut le coup parce que pour moi, Neymar, déjà, c'est mon joueur préféré. Et pour moi, c'est vraiment le joueur que je préfère. Et puis pour moi, il fait partie. Pour moi, meilleur joueur du monde, c'est Messi, Ronaldo, Neymar. Donc franchement, voilà, franchement, je suis très contente parce que je l'attendais, moi. Voilà, moi, j'attendais à ce que Neymar aille au PSG. Franchement, je suis contente, même si il n'y a pas beaucoup de gens d'ailleurs qui... Bah, il n'y a pas tout le monde qui aime le Barça. Je suis quand même un... Bah, je vais pas dire que je suis pas le plus grand fan, mais je suis assez fan quand même du Barça. Bah, je suis quand même content qu'il aille à Paris parce que c'est un club français, ça va faire vraiment du bien à Paris, je pense. Et puis du coup, ouais, je pense que Paris, franchement, à la coupe de Ligue des Champions, pardon, ils vont peut-être pouvoir, grâce à Neymar, passer au-dessus, passer une étape, quoi, et puis peut-être rivaliser avec les meilleurs. Du coup, franchement, Neymar au PSG, je suis vraiment, moi perso, voilà, si vous voulez, vous pouvez envoyer dans un commentaire, vous, qu'est-ce que ça vous fait? Mais en tout cas, moi, je suis très content pour Neymar. Il va avoir un bon salaire, tant mieux pour lui. Bon, le transfert est assez cher. Voilà, mais franchement, moi, voilà, je suis très content que Neymar au PSG. C'est vraiment un bon truc. Et aussi, je suis content parce qu'en plus, il est bien accueilli. Pastore veut lui offrir un cadeau, si on peut appeler ça comme ça. Et veut qu'il porte son numéro, quoi. Ça veut dire que Pastore veut que Neymar prenne le numéro de Pastore. Donc voilà. Donc voilà, il a fait ouais, ses adieux au Barça. Et oui, donc il a fait ouais, voilà, ses adieux au Barça. Donc franchement, c'est sûr voilà, qu'il va partir. Après, c'est vrai que bon, ça faisait quand même une superbe attaque, la MSN, avec Messi, Suarez, avec Neymar. Oui, vous pouvez voir, voilà, le cadeau de Pastore à Neymar, on va juste aller là. Alors, ouais, voilà, donc... Oui, voilà. On se demande déjà quel numéro va porter à la pépite brésilienne. Et donc, il y a un message du coup de Pastore qui a dit: je vais offrir mon numéro à Neymar en tant que cadeau de bienvenue. Je veux qu'il se sente à l'aise et heureux dès le premier jour. Moi qui suis le premier qui est arrivé, je veux lui donner tout le soutien dont il a besoin pour qu'on puisse gagner ensemble. Bon, il y a eu un petit bug, la Ligue des Champions. C'est un petit détail, mais pour ça a été important d'avoir ce numéro et maintenant je veux lui souhaiter la je veux lui souhaiter bon il y a un peu des fautes la bienvenue avec ce petit cadeau aurait dit Javier Pastore à Nasser Al Khelaifi, je sais pas comment ça se prononce trop, voilà. Donc il va lui offrir son ok il y avait des choses un peu donc voilà il va lui offrir son maillot. Donc pour moi, voilà, Neymar, ça va être bien. Voilà, je vous montrais d'ailleurs une petite photo, c'était un petit photomontage, voilà. Donc voilà, c'est mon Neymar qui va au PSG, ça va donner ça du coup avec, bon, ça c'est l'ancien maillot de Paris, maintenant le nouveau, il va être jaune et bah, ça va être celui d'extérieur ou...
Je sais plus si... Ouais, je sais pas si lui à domicile, mais bon. Voilà, Neymar au PSG. Moi, voilà, je vais faire un résumé du coup de tout ce que j'ai dit. Voilà, pour moi, Neymar qui va au PSG, c'est une bonne chose. Je suis content. N'hésitez pas du coup à me dire si vous... bah, qu'est-ce que vous auriez fait si vous auriez été au Paris Saint-Germain? Bah, si, est-ce que vous auriez signé, pas signé? Voilà, mais pour moi, Neymar, du coup, au PSG, c'est une bonne chose. Donc voilà, sinon j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, tu peux t'abonner, lâcher un like, ça me ferait extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, par exemple, si ça vous a plu, est-ce que vous voulez que je fasse plus de vidéos? Parce que moi je fais en général du FIFA, parce que même si je suis fan de foot, est-ce que vous voulez que je fasse plus de vidéos où je parle de l'actualité du foot? Bon, bien sûr, ce serait pas tout le temps, mais voilà, une fois par mois ou un truc comme ça. Si vous voulez que voilà, je fasse plus de vidéos en dehors de FIFA, voilà, mais vraiment sur le foot. Donc voilà, sinon, bah, je vous dis ciao.